La 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 la. Bonsoir messieurs dames. Alors nous sommes dans le cours 342 d'art dramatique avec Philou Dingo. Et ce soir nous allons faire la continuation du cours pratique d'hier, c'est-à-dire la gestuelle de l'acteur, mais cette fois-ci pratique. C'est-à-dire, on va faire des exercices ensemble, puisque moi aussi j'en ai besoin. Je suis resté coincé à la maison pendant 2 ans, je n'ai pas bougé, je ne suis pas sorti pratiquement. Alors, on a besoin de déverrouiller le corps, mais ça va être un cours artistique en même temps. C'est-à-dire que la pratique artistique de la gestuelle de l'acteur. On va improviser comme on peut. Alors, moi-même, n'est-ce pas, j'ai de grosses lacunes. Hein. Oui, parce que je suis très mince de là. Je n'ai pas beaucoup travaillé ma posture. J'ai beaucoup de lacunes. Alors, il va falloir que je me muscle le dos, les bras, les abdos, les jambes encore. Ça peut aller. Les jambes, ça peut aller. Alors, pour la musculature du dos, évidemment, il va falloir faire des mouvements qui mettent en jeu la colonne vertébrale. Et dans un style artistique. La 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 li la 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 la. Alors, on va essayer de faire les mouvements tout en douceur, mouvement. Tout en douceur. Mouvement. Tout en douceur. J'ai même mal au bras, dites. J'ai les tendons et tout qui sont grippés de partout, hein. Il faut absolument récupérer. Récupérons, faisons de l'aviron. Ah oui, l'aviron, c'est bon. Hein. Ah, c'est bon, l'aviron. Ah là là, l'aviron. Oh là là. Qu'est-ce que je suis fort en aviron. Ah, ça me fait mal de partout. Mais il ne faut pas se faire mal. Hein. Alors, on recommence. Alors la priorité, c'est l'épine dorsale derrière, parce que j'ai une faiblesse là-dessus. Je ne travaille pas assez la mécanique de l'acteur. Non, je ne la travaille pas. J'étais coincé. J'ai pas assez. Alors, il faut que je le fasse. Et ben voilà, je le fais avec vous. Et je vous montre comment il faut faire. Alors, wa 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 ta da 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 da
Je suis essoufflé. Je suis essoufflé. J'en peux plus. J'en peux plus. Il faut pas se décourager. Allez, on y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. Aïe, 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 aïe. J'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, mon ami l'arbre, ah, mon ami l'arbre, tu es mon ami. Aïe, 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 j'ai plein de colle maintenant sur les doigts, de partout, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bon, alors, artistiquement, le mouvement, vous voyez, c'est un mouvement qui s'accompagne de bruit, de bruit, de bruit, de bruit, 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 bruit. La symphonie des motos, la symphonie des motos, ta ra 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 ta ra ta ra. La symphonie des motos, des motards et des motos, des motards et des motos, la symphonie des motos, des motos, des motos, des motos. Ravia da Porinoco, la Tihuati Hundubia. Tu
Voilà, alors tous ces mouvements ont pour but de faire travailler la musculature en chanson, en mouvement, artistiquement. C'est de la gymnastique artistique. Et je l'ai inventé pour mes spectateurs, pour qu'ils me regardent, ben pas pour qu'ils me regardent, pour qu'ils fassent comme moi. Voilà, parce que chez vous, à la maison, il faut le faire, hein. Vous commencez par des petits mouvements comme ça. Voilà, c'est juste un petit mouvement comme ça, très important, parce que ça va vous donner la pêche, la pêche, la pêche, la pêche, la pêche de la forme physique. La pêche, la pêche, la pêche de la forme physique. De la forme physique. Et si vous le faites avec moi, vous allez devenir des champions. Des champions, des champions, des champions, des champions, des champions, des champions, des champions. Ouais, devenez des champions avec moi. On va faire l'équipe des champions. On va faire l'équipe des champions. On va faire l'équipe des champions. Et voilà. Alors, tout ça, n'est-ce pas, ça a bien fait travailler. Fatigant, hein, la première fois. Alors, c'était les exercices pratiques, artistiques, pour redevenir en forme, parce que ça vous manque, ça nous manque actuellement. On est tous entassés dans des boîtes de sardines, comme il dirait l'autre. Et on ne bouge plus là-dedans, on est coincé, on a mal de partout. Alors il faut se déverrouiller, se déverrouiller, se déverrouiller, se déverrouiller, se déverrouiller, se déverrouiller, se déverrouiller. Ta ra 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 ra. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était un cours d'art dramatique 342 avec Philou Dingo. Comment atteindre la forme par la pratique artistique du mouvement. Après, on va. Alors, quand on fait des mouvements comme ça, il faut qu'il y ait une image qui vienne dans votre tête. Vous voyez, chaque mouvement que vous faites, hop, il y a des mécanismes qui vous décrivent quelque chose. C'est étrange, vous voyez, c'est comme chaque fois qu'on fait quelque chose dans la vie, dans les mouvements, hop, tout de suite, ça fait travailler le cerveau. Mais oui, c'est ça, la gymnastique artistique, parce qu'il faut faire le lien entre les mouvements que l'on fait et l'imagination créatrice du comédien. Tout geste signifie quelque chose, vous voyez. C'est étrange, hein. Mais tout geste a une signification, même les gestes inconscients comme ça. Eh bien, c'est ça, c'est là, comment je peux dire, il faut qu'on, comment on appelle ça, on se débarrasse des mauvaises influences. On en a eu trop des mauvaises influences. On en a marre. Il faut se dégager de tout.
Ah, que j'en attrape un, que j'en attrape un, je vais lui tordre le cou. Ce qu'on en fait. Débarrassez-vous de tous, tout ce monde affreux. Bon, on pourrait nous entendre, hein. Je m'arrête parce qu'ils vont appeler la police. Ah oui, là je suis foutu. Dans 2 minutes, j'ai les flics là qui arrivent. Allez, au revoir, à bientôt. Ciao.